Le recyclage peut se voir comme une fonction sociétale. Le déchet est aussi une matière première potentielle qu'il est important de réinjecter dans le cycle économique de la matière de notre société. Notre métier, c'est la valorisation matière, faire des déchets qui nous sont confiés par nos clients, des matières réutilisables pour l'industrie. C'est la base, c'est le recyclage. Notre métier, c'est aussi la valorisation énergie. Nous fabriquons du combustible de substitution. Il y a de l'énergie dans nos déchets, mais encore faut-il aller la chercher. Et nous avons été les premiers à fabriquer du combustible de substitution en France. Et aujourd'hui, nous permettons à des industries locales, les cimenteries notamment, de fabriquer du ciment avec une énergie peu coûteuse. Alors sur la plateforme de Saint-Jean-d'Illac, on a deux activités principales. Une première activité qui est le compostage de matière organique. On va avoir un process que l'on a nommé ARRome, R de recyclage des ordures ménagères, qui nous permet en fait de valoriser sur une partie compostage et puis sur une partie fabrication de combustible de substitution. On arrive à avoir une valorisation globale entre la valorisation matière et la valorisation énergétique à près de 85%. Je serais très heureux si cette histoire pouvait être un petit peu un modèle avant-gardiste, utiliser la matière, que la matière soit dans un cycle continu comme elle l'est dans la nature et que nous puissions vivre dans une société durable.